Respect, adjudant. Respect, soldat, repos. Ça va, Gustavo? Va tranquille et toi? Ça va, ça va. Bah, je pense qu'on va partir en. Wesh! Respect, Bonjour. C'est quoi ce bordel? Respect, adjudant. Respect, adjudant, repos. Respect, général. Respect, repos. Quand même beau gosse avec une arme en main. Ça fait longtemps que t'as pas vu, mais. Me fait désirer. Eh ben, plus que ça, hein, cher ministre de la Justice, nom de Dieu! Il venait même plus me voir, du coup on a pu se balader Ah, avec deux en voiture dans ma McLaren. le nombre de fois que j'avais besoin de vous voir pour une histoire à la con là, avec quelqu'un que Ouais, j'ai je m'en fous, poursuivi. Jack. Mais bon, c'est pas grave, maintenant il y a un procureur. Hein. De toute façon, je pense Eh, que tu vas plus monsieur. passer par lui que par moi parce que je Viens, pense je vais faire le que droit. le je pou vais le... quitter Non! incessamment ce Non! mon poste. Non, mais c'est pas possible! Eh, Putain! il y a une revendication sur le Premier ministre. Ah Et bon? de mise à prise sur sa tête. Oui, ouais, j'ai eu sur le site. Juste de la mettre là. Ah, pourquoi tu veux arrêter? Oh Ouais. là là! Moi, tous les ministres que j'adore, ils arrêtent, ça m'énerve! T'as quelque En même chose à faire du temps, coup, Foster? quand. Enfin, t'es en Bonjour, GoPro Foster. là, Jack ou pas? Ouais! Ouais, Let's go. Hein. je Ouais, suis. voilà, j'expliquerai ça plus tard. Ouais. Monte avec nous, Allez, moi, on viens. monte. Bah, ouais, Ouais. t'inquiète Putain, même pas que je je veux monte. monter, bordel. On va où? Un major. Bah. Allez. On va se balader. On a assez bossé, nous, cet après-midi. Ah, voilà. On a mal Une bossé, place. hein. C'est vrai que j'avais bien une petite merde Bien, c'est juste qu'on se mette à 6. Soldat, Non, en ministre des fait, il est Vacances. monté, soldat, il est monté pour rien, il doit aller ouvrir la barrière. De quoi? Je vais Ah, ouvrir la c'est toi qui barrière. commandais, J'attends. donc tu ouvres Ah la oui, non, barrière. désolé, mais je suis Ah en train de regarder putain, la j'ai vidéo, c'est pour ça. Ah, désolé. Maintenant, On va je la dois la refermer. fermer, du coup. Bien, le réserviste, il a fermé la... il a ouvert la barrière. Parle bien, Qu'est-ce que tu fais wesh. là? Putain. Il y a un hélico. Ouais. Putain. Polonais pour Vegas. Ah bah tiens. Vegas à l'écoute. Demande d'atterrissage. Autorisation Un accordée. fusée. Bah allez se balader. T'as plus de place. Ce retard a pas de place. Je vais devoir en sortir un autre. Un soldat. Bah, si vous en sortez un autre, je le conduis. Par moi. Bon, pas les couilles, frère. Si, je suis réserviste. Je suis réserviste. Mais je suis juste pour si vous la voiture et Ouais, je pense. Je pense qu'il y a moyen. Ah, y'a pas. Bon. Ah, y'a pas. Petite pause? Là aussi, ouais, là Peut-être. aussi, ouais. C'est comme vous le voulez. Parce que t'as invité JP. Wow. Bah ouais, je suis invité comme un. Ah merde. Il a la chance qu'il arrive, Ouais. qu'il arrive maintenant parce qu'on se barre. Malheureusement pour toi, tu seras en sécurité. Non, c'est pas au point. Ah, il est dans la liste des Bah, tout invités. dépendra. Exactement. Bon, par contre, vous m'en voulez pas, hein, mais j'ai déjà mon témoin. Hein. Pas de soucis. Ah bah, moi de toute façon, j'ai déjà pris comme témoin. Ouais, bah ouais, je sais, toi. Avec qui? 1 million, ils auraient pu C'est mettre toi? plus quand même. Hein. Ah oui. On est payé pour ça? On est payé pour Payé ça. pour être témoin, mais il est fou lui. C'est bizarre, c'est de l'autre côté qu'il se retrouve les civils. Faut tu prends ton service? Ouais, je pense que je vais le prendre. Ouais. Bah t'as de la chance hein, parce qu'on partait là. Ah ouais? Bah oui, on partait en patrouille. Ah. Attends, je fais tout. Attends, déjà. Petit truc qui est là. Bruce, il est pas là, là. Alors, attends. La couleur, c'est ce qu'on veut, hein, tu m'avais dit. Hein.
Quoi? Pour la couleur Bah là on n'a pas fait le PLI donc ouais. Ouais, mais on m'a dit dès que je prenais mon service ce que je devais faire. Ah ouais, tu aurais ta carte et tout. Bah, c'est ton bon. Équipement dans la McLaren. Il est quand même sacrément balèze ce véhicule. Ah, c'est un bus scolaire tel truc. Ouais. Tu vois le truc, tu te dis ah, ok, bon. Là. Regarde, surtout que quand tu coupes le moteur, il continue jusqu'à 3 perpètes. Il coupe au marché. Là, j'ai une accélération, hop. Test. Reçu. Ah, nice. Reçu. Dommage qu'on peut pas se mettre en tiroir dans le coffre. T'imagines l'animation qu'il devrait avoir. Il y en a déjà hein, sur des véhicules comme ça. Oui. Mais plus on vous en donne, plus vous en voulez. Mais c'est pas possible. Et ouais. Apprenez MRSP, à vous contenter de ce que vous avez. Alors, MRSP, attendez, je vois pas. Voilà. Alors, MRSP adjudant. MRSP capitaine. Si je me trompe pas. Non, c'est le commandant. Commandant. RSP commandant. RSP adjudant. MRSP le civil. Ah, c'est monsieur le ministre. Ah. RSP réserviste, même si t'as pas pris ton service encore. Alors, MRSP monsieur le ministre. Excuse-moi, je regardais quelque chose. RSP, ouais. Ouais, RSP, ouais. Je prends les couilles, ouais. Je dois le rejoindre, à votre avis? Il est en train de prendre mon équipement, mais. Ah, il va prendre son équipement, il va le mettre dans la voiture. Allez. Ah, merci hein, pour les gens que vous me ramenez à la Bluestone. Hein. Je sais pas qui me les a ramenés, mais merci. Quoi, ça là-bas? Pas le voir. Sur le con, je vais prendre de la bouffe. La Bluestone? Oui. Mais c'est pas marqué sur la carte, si? C'est la ah. Rock. En proba. Ah, ok. Eh, hey William, rassure-moi. C'est pas pour prendre un avion. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? C'est pas encore certain. Ah, putain, mais c'est pas vrai! Et devoir vous séquestrer, c'est pas possible! Non, mais de toute façon, même si, si je prends un avion, je reviens régulièrement. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit tous. Ah, tout ce qu'il faut, t'as déjà des JVM, trousse au titre, trousse de soins? Respect. Puis Respect quand tu seras habillé. Ah, au niveau trousse de soins. Quasiment un an que je suis sur l'île, hein. Ouais, mais ça fait pas longtemps que t'es le ministre que j'aime bien dans la justice. Mais clairement, c'est pas ce à quoi tu t'attendais. Je me sens pas à l'aise. C'est pas voilà. Ah. Et puis quand tu vois que en deux jours, t'en as certains qui arrivent à détruire ce que d'autres mettent 3 mois à construire. Oh. Ouais. C'est pas Jack qui va te contredire. Non, Jack, je peux pas prendre la tenue. Le Dark Black. C'est pas parce que je suis pro LPA que je peux pas comprendre certaines choses. J'aurais jamais dit ça. Non, tu l'as suggéré. Non, j'ai dit que t'allais pas le. Allez, petit carnet rouge, ne pas oublier le commandant ça. Aussi. J'ai des morceaux de bas les couilles. Les trucs dans ton sac, on va par contre. Ah merde. Ne laisse pas mon Jack comme ça, toi. Attends, je vais te le faire pour vous. Compris, sinon je te fais mettre aux arrêts. Wow. Okay. Est-ce que je m'ai bien fait compris? Ok. Un fouet. Et le fouet. Pas le surflex, le JVN, trop sorti. Garde, tu peux la garder si tu veux. Un HM qui se ramène. Ah non, c'est bon. Alors, surflex, je le laisse dans la voiture. Ah, ça peut passer sur la piste que j'avais les coursés en JVN, t'en as déjà 8 sur le 9. Tu l'as déjà testé un peu Ah oui.
Autre quoi? Une arme. Ouais, j'ai déjà roulé avec. Ouais, mais entre rouler et le tester, il y a une différence. Dans ton sac, tu peux prendre la cigarette. J'ai déjà fait le pro, j'ai déjà fait une poursuite de rebelles. Okay. Enfin, commencer, t'inquiète pas. Dans ton sac. Voilà. Ah oui, hier c'était bien parti, ouais. Il est propre, attends, je kiffe. Il est solide qu'on kiffe pas sur les petits murets. Ah. Ça va dur pour ton moment. Il est chouette, hein. Merci. Franchement, dès qu'on. Enfin, si on arrive à l'avoir en gouvernement. Parce que on l'attend toujours. Ben on l'a, mais on prend la McLaren. Les garagistes qui doit me livrer à chaque fois. C'est chiant quoi. Mais respect. Ça fait deux mois qu'on a tout fourni pour pouvoir avoir plus d'autres matériels complètement. Mais respect maréchal. On attend encore toujours les véhicules. En général. Petit message. Ah non, nous on attend toujours les bérets. Ouais, mais ça fait combien de temps que tu nous as demandé les bérets? Oh, c'est qui vient avec moi du coup là? Quoi? Avec quoi? Face les équipes là. Ah, je vais sortir un autre Suburban. Ah, moi je veux bien venir avec le général et le. Bon, c'est bon. Vous êtes combien là? Dis oui. Ouais, Paul, tu vas avec Foxstar? Ok, c'est celle-là comme voiture? Ouais. Oula, attends, JP, je te laisse faire ta patrouille et puis Jack, tu feras la nôtre. C'est bon? Ouais. Je la ferai dans la bagnole. Ouais, je la ferai dès que je suis assis dans la voiture. Eh ben, t'as de viseur sur ton arme, toi? Comment? T'as de viseur sur ton arme? Les clés. Ok, moi je peux pas. Ils doivent attendre devant là-bas, ouais. Conduire. Non. J'ai pas encore conduit une seule fois, moi. Non, je l'ai pas encore conduit aujourd'hui. Moi. Allez. Allez. Normalement, Gustavo, il était pas de soi. Bah Gustavo devait être avec nous et t'avais dit à. Ah non, Gustavo, faut qu'il soit avec nous. Eh bah nous on va prendre Pabito à Paros. Ouais, vas-y. Vous enlevez Gustavo de votre truc du coup là si vous l'avez. Attends, je vais pas mis de côté. Ah ouais, tu me fais changer à chaque fois, bordel. Ah non, j'avais dit que Gustavo venait avec vous et que vous prenez Paul. Voilà. Donc la preuve que ça écoute pas, encore une fois. Oh alors, moi ils montent dans mon véhicule pour moi. Ta gueule. Oh, il y a mes tirettes. Oh. Le général, c'est moi qui commande. Des patates. Oh. C'est des couilles parce que je suis là. Hein. Ah non, c'est comme ça tout le temps. Au 22. Oui. Ah oui, désolé. Suburban. Mais tu mets tout petit. Ouais, et puis ça passe crème. Je te mets du coup en liaison, Ryan. Paros. Ouais, mets-moi en liaison, ouais. Enfin, j'ai foutu la longue portée sur le véhicule. Bon. Tu seras en inter, Jacques. Affirme. Gustavo en protect. Protection please. Voilà, c'est bon. Super. En quelle couleur nous? En blue. Comme la chemise. En bleu, bah parfait. Bleu que j'avais choisi en plus. Par contre, apparemment, il est bridé, hein. Ouais, c'est ça. Tu peux pas aller plus vite que 175. C'est la merde, ça. Ouais, mais après. Niveau tenue de route, t'inquiète pas qu'il les voit 675. Ah, puis apparemment en off-road il est bien aussi. Hein. Puis il est vachement. Mais il perd légèrement. Il est quasiment blindé aussi. Il perd légèrement de la vitesse, mais sinon. Gustavo vite, t'inquiète même pas. Ouais. Elle est où la maison de ton fraté? À côté. Derrière un point sur la carte. On va vous mettre un point, c'est un peu simple.
C'est bon, j'ai 1000 points. Mais des accélérations, mais à l'amende, tout ce qui est PM, outil, etc. J'ai demandé où il est. L'autre il se garde dans le garage. Oh, ne passerait pas. Regardez, ouais, il a fait un docteur lobby. On est 4 par patrouille là. T'as pu quasiment te mettre en service. Ouais, j'aurais pu. J'aurais pu. Ouais. La séquestration, on est enfermé dans la voiture. Je crois qu'il est pas encore là en fait. Hein. Vous avez les clés. Non, mais il est là, il a été obligé de faire un docteur lobby, il m'a dit. Ok. T'as les clés. Merci. Il est déjà ce temps là. Oh. Foster? Oui. La commande d'armes, c'est normalement c'est cet après-midi, mais peut-être que ça va peut-être être décalé à ce soir, donc bah tu géreras pour la commande. Hein. Ouais, ouais. Alors, ce qu'il faut au niveau oseille, pour qu'on te rembourse tous après derrière? Bah, ça coûte pas. Ouais, j'ai ce qu'il faut, j'ai 9 millions. Donc, Ah, moi j'ai fait une commande de 2 millions, moi. Oh, ça va. Tu vois, le compte en banque, ça monte avec l'entreprise ou tu. Hein? Reste stable. Dis. Le compte en banque avec l'entreprise, ça monte ou tu restes stable? Ah, ça monte. Parce que. Maintenant, ce que je fais, c'est que. Il reprend plus cher maintenant, comment dire. Oui, voilà, c'est pire. Ouais. Et du coup, maintenant, quand je garde 1000 de stock de charbon pour eux, de charbon non raffiné, et le reste, je le raffine. Ça me permet de. De pas patienter à chaque fois une semaine, voire deux. Ouais, bah, tu m'étonnes, t'as raison. Fais quoi, Paul, plutôt là? Je sais pas. Ah, il se réveille sans doute. Après, normalement, il devrait te faire des commandes plus régulières parce que, vu les commandes que de la touche lui passe, c'est chaud. Ah, dommage que Francis il a pas gagné ce principe là parce que ça coûtait quand même beaucoup moins cher. Okay. Il est là. Éclaire bien ces trucs là aussi là. Ça va encore. Par contre, mon lapin, tu m'expliques ce que tu fous à poil avec Jack à côté de toi? Ça, c'est encore un souci de tenue ça. Ah bah. Jack. Bah toi aussi. Toi aussi. Ah, Jack, ça va se remettre. Il y a JP aussi qui est un peu. Ah. Oh putain. On avait ça. Wesh. Oh wesh. Pablito, on est là. Allez, Carglass répare, Carglass en place. Ouais, je vois rien. En GoPro, Jack? Allez, sa mère. Oui. Ok. Nique sa mère la musique. Ah, comme quoi Kendry, le ski là, l'enfoiré. Putain. C'est ici la Gay Pride. Il est dangereux. Sympa là, il est sympa à l'intérieur aussi. Putain, ça y est. Ah, est-ce qu'il marche les aiguilles? What? Comment la maison elle est ouverte? Est-ce que j'ai tout forcé? Le serpent. Waouh, mais qu'est-ce que c'est ce truc là? Madame les. Ouais! Bon, je vais me rester de dedans. Hein. Ah, mais non, c'est dans. Faut que tu montes dans l'autre. T'as failli éclater, gros. C'est là, je vais me déglinguer.
On devait aller où là en fait? Et on peut. Ah voilà non? Ça? C'est pas du tout. Tu dois, on devait aller à Kavala pour que tu déposes ton truc là. Ouais. Et moi mon cerveau il va mourir là si on va à Kavala. Ça suit derrière. Ouais, ouais, ça suit. Ça fait bizarre d'être bridé à 175, c'est à fond, mais. En fait, même avec le turbo, toi, t'es bridé à 175, c'est abusé. Après, ce qui est cool, c'est que. Même ton impression de vitesse, tu vois. Donc, t'es 175, tu les sens pas trop passer. Il tourne super mal. Oh. Oh non, non, il a des bons freins. Il tourne mal. Un bon angle de braquage, mais faut juste savoir le contrôler. Voir quand tu vas commencer à le conduire régulièrement, ça va aller easy. Il dérive bien. Et non. Ça dépend comment. Enfin, sur quelle surface? Sur la route. La route. Ouais, ça va. C'est pas non plus le tip-top, mais ça va. T'as une bonne tenue de route, tu vois. Virage. T'as une bonne tenue de route. On pense quoi, Postal? C'est sympa à conduire, hein? Bon, carrément. Juste dans les virages, vous savez plus que il met quand même galère à briquer pour tourner quoi. Faut avoir la technique du drift. Ah bah faut s'y habituer quoi. Oh, moi j'ai habitué, j'ai toujours ça avec tous les véhicules. Toi t'as un fou du volant, c'est comme un fou de la gâchette, c'est pareil. Je suis en fou de partout moi. Bah attends. Toujours le même système, les radios Vegas, mon lapin? Ouais, affirmatif, ouais, toujours pareil. Ok. Alors, moi je suis dessus. Attends, on le changera peut-être. Peut-être à la prochaine réunion, on changera. Au lieu de plus 30, on mettra peut-être un autre chiffre. Mais si on GoPro! Ah, ouais, mais ça passera à quoi, je sais quel chiffre. Pardon. Tuc. Ce qui est bas, tu peux quasiment être jamais en excès de vitesse avec ce véhicule. Ah, t'as 175 max, mais si tu ralentis une fois, c'est bon, t'as 130. Quoi. Non, tu vois, une bonne accélération. 130, ouais. Ils ont fait un carton. On va le déglinguer. Vas-y, je vais réparer. Attends, on va voir avec eux, il y a JP qui dépanne en fait. La chance, il nous répare notre véhicule, sinon je l'aurais demandé un repère qui est. Allez, on va être reparti. Ouais. Dépanne notre JVN, messieurs. On décale. On va passer un petit coup à l'hôpital. Et il fait quoi le monsieur là? Il répare pas son. Je crois que ça. L'autre il est parti à pied en chercher, je pense. Bah ça lui apprendra. Quoi il est allé là? Pourquoi il est allé là-bas alors qu'il y a une station service juste hôpital. En face? Je sais, mais il y a une station de service en face. Pourquoi le mec il a jusqu'au magasin général, je suis sûr. Là pour payer 500 euros de moins. Quoi. Écoute, bon courage à lui parce que si t'as pas tiré pour aller réparer. Bah, s'il a pas de Red Bull, il est dans la merde, monsieur. Eh.
arrive, j'ai même pas assez d'argent, c'est 55 sur moi. Oh, c'est bon, je suis au fond. Je vais pas marcher là. Bah, par contre, mon lapin, passe-moi les clés de la voiture là, parce que je me sens pas à l'aise là quand j'ai pas les clés. J'ai plus de double, j'ai fini tous mes doubles de clés là. Ah, vous inquiétez pas, monsieur le mini, je vais vous les donner moi. Il me reste, merde, il me reste un double des clés avec un cochon dessus. Ouais, trop tard, trop tard. Ah, merci Jack. Bah ouais. J'ai trop de trucs là, j'ai plus l'habitude d'avoir autant de clés. Mes deux maisons, j'ai ma soupe, j'ai mon camion citer, j'ai un McDum qui est à Vegas, j'ai les deux entrepôts à JP, j'ai ta McLaren et j'ai le Suburban. J'ai l'habitude d'avoir autant de clés. Et le pire c'était avec Richard. On avait 12 Magnum qui étaient dans la radio, William. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ok. Il y a une voiture à gauche. Oh, tu freines, tu driftes en même temps, mon gars, comme il tourne le truc. C'est bon. Oh, il ralentit de ouf, non? Pas, il fait combien de tonnes le truc? Bon, je ne sais pas te dire. Ah, je suis à fond. Ah, au moins, tu fais pas des trombose avec cette vitesse. Ah, non, c'est sûr. C'est ouais, on vous a contrôlé à 175, bah c'est normal, c'est le maximum sur le véhicule. Ah, sauf si tu mets de la nitro, t'as moyen de le faire monter plus. Je sais pas s'il prend la nitro celui-là ou pas. Ce sera à tester. Parce que jusqu'à présent on n'a pas pu le faire. Étant donné qu'on les a pas dans nos shops. J'ai l'impression que les JVN ils sont plus dégueulasses qu'avant là encore. Parce que c'est moi. Bah c'est juste qu'il fait encore un jour là. Ouais, moi je les ai déjà mis. Comment non, tu il roules fait plein jour, hein. Ah, comme ça c'est bien, ouais. Oh. Je pense que sans sécu, c'est rare qu'on va sortir la Audi. Pourquoi? La Joe, il aurait dû le mettre moins cher comparé au Suburban. Bah parce qu'au final ils l'ont mis super cher comparé au Suburban, donc je pense qu'on sortira tout le temps Suburban quoi. C'est combien la Audi? Elle a 1 275 000, alors le Suburban il a 82 500, comme ça, 85 000. Ah ouais. Acheter une Audi et puis deux Suburban. J'ai toutes les Audi différentes hein. Même l'Audi Taxi, tu sais. Audi Taxi, Audi Civil, Audi Sécu. Allo, Audi Police. Je connais pas la police. Non, la gendarmerie. Ah, voilà, je préfère. C'est une honte. C'est une honte. C'est l'habitude. Et par contre, mon ouais. Lapin. Formation. Pas à l'abri d'un PV, hein, même si je suis dans le véhicule. Ouais, oh, je m'en fous, ça, moi. Prendre des PV. Ouais, je te préviens simplement. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est tellement rare que j'en prends. Il suffit d'une fois. Non, j'en prends quand je suis en civil. D'une fois. Au pire, je pars en essai de vitesse, hein, il va essayer de me monter dessus, je pense que c'est moi qui vais lui monter dessus sur le gendarme. Je ferais pas ça avec le gouvernement. Maintenant, ouais, je m'en fous un peu, mais le gouvernement, non. C'est cool, hein, là, ces gars sexy, ils sont cool, ils sont présents, ouais, par derrière aussi, tout ce qu'on dit sur nous. Ouais. Ah, il a pas de feu, c'est abruti. Le gars, vous allez croiser une Honda sans feu. On l'a vu. Et une deuxième sans feu. Avec voilà. Des Honda, quoi. C'est ça. La mode des Honda ou quoi? Elle a fait quoi? Elle s'est arrêtée, elle a fait demi-tour. Ok, préviens si elle tente quoi que ce soit. De toute façon, il n'a pas atterri. Hein.
Ouais, non, non, mais vos véhicules ressemblent à ceux du Gouv, donc vous êtes peut-être pris en chasse à cause de trucs comme ça. Oh, t'inquiète pas, j'ai la gâchette facile. Oh, c'est pas. Oh, moi je sors pas, moi avec le temps qu'on a, je lui monte dessus, moi. Vas-y, je veux m'arrêter. Tu t'arrêtes là ou quoi? Bah, pour l'instant, je vois pas de. Ah, arrête-toi la station de Jaconi, là, juste avant. Vas-y. Il a rêvé, il y a personne. Ah non, mais je l'ai vu s'arrêter, enfin ralentir aussi. Je suis plus. Non, il a décroché. Décroché. Il a décroché, je crois. On va jusqu'à ta maison. Ah ouais. Tu sais où aller, hein. Chiant. Ah, j'ai préparé un petit C4 là, hop, je vais m'arrêter ici. Je peux la balancer d'ici si j'ai un bon lancer là. Hop là, boum. Te crois pas sur R6 toi. Ah là là. Et de la touche. C'est bon, le bâtiment il est transparent. Voilà. Regardez, c'est... regardez le QG, les gars, il est transparent. Ouais. Oh, alors, ça plus près. La gendarmerie, il a plus de moyens ou quoi? Non. Je crois qu'on va en faire des dons, hein. What? Wesh. Yeah. Quoi? Non, regarde, y'a plus rien. Y'a plus de... y'a plus le bâtiment. T'as rien, y'a un parking. Oh là là. Ah, ils ont... y'a une destruction ou quoi? Regarde, y'a tous les panneaux qui volent. Ouais. Ah, pas sûr. On a volé de votre bâtiment ouais, ou quoi? Il y a eu un léger souci, ouais, en effet. Ouais, c'est un attentat? C'est lequel qui a saisi les murs là? Armodo, messieurs. J'ai regardé la carte grise du véhicule et. Et au revoir. Aspirant à Armodo. Bravo, en plus c'est élite quoi. C'est beau, hein? Ah, c'est chaud. Bravo François! Paul. Ouais. Putain, mais ils sont tirés dans le véhicule dos. Là, dis donc. Ah. Ouais. D'accord. Parce que moi, bah, ouais, sans bridé à 175. Sans quoi? Sans bridé à 175 km/h. Ouais. Putain, ils sont trop stylés. Au début, je croyais que c'était. Tu vois. Et voilà, on a la Audi RS4 aussi, c'est écrit en civil avec marqué sécurité par le côté. Nice. Bon, écoute, 1 200 000 notes. Alors que celle-là, on l'a payé que 85 000. Ah ouais, quand même. 82 000. Ouais, 1000 euros l'assurance, 1000 euros la sortie. Oh là là. Oh c'est non. Ah, des voitures de fonction. Bonjour, GAV. Je crois qu'il est perturbé. Ah, mais du coup vous pouvez. Du coup, vous pouvez plus monter dans les bâtiments pour vous équiper là. Ici, on a accès au shop. Mais... Ah tu regardes comme ça du haut là. Ah attends je m'équipe comme ça hein. Vas-y balance-moi ma tenue. Oh la vache. Ça fait bizarre quand même. Ouais ça fait bizarre. L'héliport qui est tout seul en haut quoi. Imagine tu te poses en haut. Ah ouais. Pour manger pour descendre. Tu penses que c'est transparent ou c'est des murs invisibles? C'est le bâtiment qui est plus là, je pense. Ah, il est passé, ah ouais. Il est passé à travers. Bon, on va y aller du coup. Bah, nous aussi, on va y aller. Hein. Bon, bah, du coup, je vais vous céder. Et François, à plus. Ah, la firme. Question, pourquoi? Voilà, on y va. T'as pas le temps, toi, hein. Là faut mettre les JVM. Salut Seb. Bah c'est prêt les. F François. Voilà les gens William. Ouais, prenez-vous la bande avant. Derrière les gendarmes, hein, on peut être. Monsieur les gendarmes.
gendarmerie à l'écoute. Je crois qu'il y a un problème avec la brigade de Cavalor. Oui, affirmatif, enfin, c'est un problème technique. Affirme. C'est normal ou... Oh, normal, je sais pas. Enfin, non, c'est pas normal, mais voilà, bon. Discussion sur la trompe. Avec. Toujours là, Fox? Ouais, mais j'entends les gendarmes derrière moi. What? Ça a pas dû vous laisser passer. Putain. Tu veux que je tourne, mais. Putain, mais c'est le cancer des yeux. C'est moi, le gendarme, on fait demi-tour sur des gens. Ok, j'accélère. Voilà, jusqu'à la porte, c'est beau ça. Attention au mur hein. Et tout cassé. Le midi s'il va t'engueuler, il va te faire payer ça. Oh le coup. Le ministre, c'est un civil. Oh le mur on... Eh hey, mon gars, t'imagines, tu fermes l'entrée là, t'avances les deux trucs. C'est bon. J'entends pas. Et sans vaseline, hein, messieurs. Je suis un putain de random quand je suis comme ça. Compris. Quand on est qu'à Vegas, y'a pas de problème. Par contre, quand je suis sur Kavala, je suis un civil. Reçu. J'allais te dire. Oh, comment que t'assumes pas. Au pire, tu te mettais en, au pire, tu te mettais en ministre et on faisait ton escorte privée. Hein. Au pire, je vais te le faire court et concret. Ministre, seul, 5 coups de rebelles sur la gueule. Oui, oui, non, mais je sais, c'était pour te charrier. Avec les menaces officielles des communiqués, je comprends bien. Voilà. Putain. Oh. Ah, dis-moi de quoi tu te gardes, bordel. Après, il est repassé sur les places de sécu. Oui, oui, oui. T'as vu ça, comment c'est contrôlé? Ouais, contrôlé. Je contrôle mon... Wow. Mon sport, ouais. Allô? Ah, c'est enfermé maintenant. Je vais barrer avec ton véhicule, wesh. Alors, plein, je vois sans gilet, là. Oh, je suis un petit fus. Avec quoi, avec quoi? Oh! What? Esclave, descends de là. Allez, Gondel, descends de là. Il essaie de s'enrouler de sa chaîne. Vas-y, 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 c'est ouvert. Rentre dans le véhicule. Faudrait m'ouvrir celui d'en face en fait. Vas-y, ouvre l'autre. Attends, tu sais quoi, je monte en conducteur. Ça devrait régler le problème. Voilà. Bonsoir. On m'entend là? Ouais, on t'entend. Bonsoir. Ah bah, et tu m'entends sur la radio? Je t'entends aussi sur la radio. Bah, tu sais que j'ai rien touché. Pardon. Ça va. Ah, le problème, c'est le nouveau véhicule, il m'en a parlé, Ryan. Faut qu'on bouge. Attends, bonjour, messieurs. Bonjour. Vous êtes Vegas. Affirme. Exactement. Oh, bah, allez, bah, direction Iron Village, j'allais vous les voir là. Fox, là, t'entends-le? Allez. Il est là, Ryan? Ah, je suis là. Ah, bah, j'allais justement aller vous livrer, bah, nickel. Comment ça va, monsieur Targa? Vous avez réussi à tout mettre dans un véhicule? Ça m'étonnerait. Non, mais j'allais prendre un HMTT. Ça perturbe les gens qui me parlent et que je reconnais pas. Moi, je crois qu'on peut mettre ça dans nos véhicules, du coup. Ah, du coup, dans les deux véhicules, ça va. Ah, ouais. D'accord. Ah, vas-y, on va aller voir. On va aller sur ça, il rentre de l'aide, hein, c'est parti. Châteloufien, tout ça. Comme quoi, il perturbe. Tout Châteloufien. Fox! Allez, go, il rentre de l'aide. J'étais dans laquelle? T'as les clés. Salut. J'ai les clés. C'est où Iron Bullet? Coucou JP! C'est parti! Alors, attends, je passe mon point! Bon, du coup, faut que j'aille voir les armes de caméra. Ça va bien? Ouais, je t'ai déjà mon point. Ouais, je sais, j'ai des raisons. Putain. Et en fait, Ryan, ouais? C'est quand que tu payes la soirée spéciale de l'autre jour? Ah, j'ai 36 fois quoi.
l'impression de me répéter tous les jours. Ouais, mais tu me connais, hein. Moi, j'ai pas beaucoup les sous. Moi, les sous, je les aime bien. Le vendredi, pour tout le monde, comme ça, moi, je suis sûr que les gens, ils seront vers maximum de ah, mais gens, tu me connais. Comme je t'ai dit, je suis un avocat, je te compte des intérêts, hein. Parce que t'as fait tourner ça sur ton compte en banque en attendant, donc depuis l'autre jour. Ah, moi, c'est le Premier ministre qui nous a mis sur mon compte. Le Premier ministre qui m'a fait le transfert directement. 50 000 d'intérêts. Par personne. Oh, on voit que dalle mon gars par contre. Attention, attention, il est juste derrière. Oh là 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 là. Bon, vous êtes sortis tous là. Bah ouais, mais on a peur là. Allez, sortez les gars. Ah, tu vois pas. Bah c'est. Regarde son toit, il a pas de problème. Ah ouais. Il est bien garé. C'est parce que j'ai pas encore fait la publicité. Donc. Donc, bah, c'est parti. Donc, il y avait quoi? On va faire un petit récapitulatif. Il est où, monsieur Slater? Là. Ici. Ok, c'est donc... qui gère pas les commandes là. Il y a que le commandant et le général. Les autres, vous mettez en position autour. On sait jamais parce qu'il y a donc... quand même de l'argent en jeu. Et vous mettez oui, vos points, messieurs. Il y en a pour beaucoup. Donc, je compte pas les bras dedans. Hein, c'est ça sur le chaque côté de la route hein. Donc pas plutôt c'est qui là-bas. Ah tranquille. Alors après il y avait quoi ça? Là là là, d'ailleurs j'ai fait une autre commande, normalement il y en a encore une ce soir. Bon. Ah ouais, j'ai fait pour ce week-end la petite commande de 6. Et t'as dit que tu pouvais être libre quand ce soir. Ce soir la clé pour le truc de civil. Ouais, ouais, c'est pour ça que t'es calme pour que j'ouvre le top. Ouais, t'es calme. Ah oui, ok. Ah, j'ai oublié ce truc. Ah oh, bah ce soir, on va y avoir d'activité.
Faudrait que j'aille voir. Ah si, à l'intérieur. Après je sais pas si l'élé est ouvert. Y'a combien de place là? Ok, donc ça c'est fait. Ah putain, je demanderai de le mettre. On fera ça sur la place, c'est pas grave. Non, 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 pas à la place, on fera ça sur la mairie. Ouais, pas de soucis. Parce que la place, pas grave. Après, donc il y a ça. Pas comment on est sur la place. Après, y'a la TF qui est au carré. Ouais. Alors c'est une M4 à 6 hein. Ah tiens, viens voir. Tiens, je regarde. Ah ok, moi. Regarde notre profil. De quoi là, là. Après attends, je vais vérifier ce qui manque. Donc ça, ça, du coup, attends, Ryan. Ryan, t'es... Alors, y'a quoi? Donc ça, 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 ça c'est bon. Après, y'a quoi? NPDW, une... Ok. Bah ça en fait des armes. Il va. Alors, deuxième véhicule, je vais faire plein de chargeurs. Alors, donc, on va voir si elle...
déjà calculé ce que tu dois mettre comme chargeur ou c'est dans quoi? Là je vais offrir 10 chargeurs par an. Mais t'as déjà regardé les armes, t'as la liste à côté ou... Attends, j'ai encore ça remise énormément. Il y a eu un accident au champ de pêche, un monsieur qui s'est fait renverser. J'ai reçu une patrouille d'un road machin. Merci beaucoup, il y a la voiture qui est toujours au milieu de l'arbre. Oh, attends, il manque les HK. Alors, 416, elles sont là. Elles sont pas sur lui. Ah putain, premier camion plein. C'est long. C'est trop long. Alors, ça c'est bon. Normalement il y a 4 ça. 4, il manque une TG. Je te dis ça tout de suite, attends, je te dis. Gaming. on va protéger un convoi avec un T, c'est ça. Non. Ah ouais. De livraison d'armes pour Vegas. Si. Ah, c'est bon, il est parti. Alors tenez, vérifiez. Normalement c'est bon. Que là j'ai fait ça vite fait. J'ai mis des armes trop. Il y en a encore sur l'autre véhicule. Alors... Ouais, donc il y a 2 green, 2 tan, 2 TG je crois, 2 WDL. Ah et en gros il y a 4 green à moi, 4 T1 à moi, 4 camo à moi. Donc une camo TG par contre. Autre véhicule. Hein. Elle doit être dans l'autre. Ah, attends, 4 HK. Et 416, là je MP5 c'est la tienne, ça faut se ouais, ici je pense que c'est bon. Normalement j'ai pas d'oubli, je vais revérifier. Deux autres HK. Une là-bas, attends, il y en a une dans l'autre, il y en a deux ici. La cam en plus, c'est la blague, c'est à toi, c'est ça Foster, qu'on a commandé une. Ouais. Il y a une M. Il y en a une intro alors. Ah non, c'est Nemo. Attends. Ouais, mais Nemo Black. C'est ce que tu m'avais rajouté. Ouais, mais il y en a deux, il y en avait une de commandée. Ah oui, bah c'est celle que j'ai. Ouais, en plus. T'en as pris une. Je te fais vite fait le calcul. Alors. Il manque les chargeurs, quoi. Ouais, je te mets ça. Mais les chargeurs, c'est gratuit, donc je te calcule les armes. C'est 10 chargeurs par arme, c'est ça? Ouais. 10 gratuits. Sors JP. On va faire à peu près beaucoup de chargeurs, quoi. Je pense on va sortir un HMTP. Ciao, William.
sortir un HMTT pour un chargeur, parce qu'il y a au moins 300 chargeurs là. Chercher un autre véhicule comme ça alors. Bah comme vous voulez en vrai. Bah ce sera plus simple parce qu'on va pas traîner avec un HMTT. C'est vous qui voyez. Pas 10 chargeurs par arme, save. Bon, on va chercher un autre véhicule, Ryan. Celui-là. Attends, ouais, non, peut-être le suite est plus rempli, non. Attends. Je vous fais le calcul là. Le garage, lui. Combien vous êtes loin à pied d'ici là? On y va à pied. 100 mètres, les gars, allez à pied. On y va à pied. Après SD6, donc 160. On est parti chercher un troisième véhicule pour mettre les chargeurs parce qu'il y aura plus de 300 chargeurs, donc c'est pour ça. Après. MOE Black, il y en a une là-bas. C'est combien par arme le chargeur? Les chargeurs c'est offert avec l'arme. MOE Black 2, il y a 10 chargeurs offerts par arme. Plus 2 fois. Ce qu'on fait, c'est qu'ils nous mettent tout dans les véhicules, après on se dirige à Vegas. Nous, l'état-major, donc Foster et moi, on prend déjà ce qui nous appartient et après on passera chacun autour à ceux qu'on commandait pour vous nourrir. C'est moi qui va tout payer là au PDG. Alors, TG Camo, il y en a 4. Et par exemple, ma Hog, je pourrais la stocker chez moi le temps que j'ai ma nouvelle arme. Ouais, bah oui, affirmatif, spécialement. Ah non, il y a juste les aspirants qui ont plus le droit de déposer leur équipement. C'est-à-dire que quand ils viennent chez nous, quand ils viennent prendre leur service, qu'ils prennent leur fin de service, il faut qu'ils redéposent leur équipement. Ok. Plus une PDW, donc c'est combien? T'avais rien commandé, toi, Jack? 110 000. Bon. Négatif. Rien commandé. Donc normalement, attends, je regarde, normalement j'ai fini. Moi j'ai commandé pas mal de M4 à 1, donc à la réunion là, si on, nous l'état-major, on accorde comme quoi les adjudants ont droit de porter ce type d'arme M4 à 1, bah, vous aurez quasiment la même qu'on a en nous en fait, mais elle est un peu différente quoi. Mmh. M4 à 1 je crois c'est de 220 000 ouais. Mmh. Non, on verra bien. Tu sais, moi je suis quelqu'un de patient, j'attends et tout vient toujours à point, c'est qui sait attendre. Ouais. J'entends la voix de monsieur O'Neill. Affirmatif. Alors attends, faut que je ressorte le tableau. Ah ça, j'ai écouté ça. Ouais. Donc voilà, je te charge en dessous. Des verrous. Mais non, je ne veux pas que le Raptor soit disponible. Hein. Ah non, je crois pas. Quoi? T'es malade, ça prend la gorge. Ah, plutôt, je crois que t'as en crié, on t'a entendu à l'autre bout. Ouais, c'est parti pour tous les chargeurs. Ça va être long ça. Hein. Tant que tu fais ça, je te file par le sub. Il a un câble avec juste à moi. Voilà, t'as les derniers clés du Cyberman. Ok, ouais, je te remercie. Alors, il y aura deux chargeurs différents, mais ça c'est compatible sur les deux la même arme. Hein. Ok, ça par rapport à quelle arme? Les M4. Hein. Ok, ça marche, je te suis sûr. C'est que moi je vais prendre des photos de véhicules avant de partir aussi. C'est jamais. T'as calculé pour combien au total? Mets-toi en murmuré, 6 millions 40 000.
qui se passe? Non, c'est bon, c'est parce que c'est William, il est parti au QG du LPA avec Foxstar. Parce quoi? Ah, j'ai mon collègue qui est parti au QG du LPA. Elle est où la mairie là? Allez, hop. On aura pour 6 millions. Non. Prends un ancien sur une deuxième livraison, il y a encore un. Ah, on va devoir faire, trois patrouilles là. Ah, ouais, bah avec le courant que j'ai, il faut être le courant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madi est pas là, Théo non plus. Les trois ils sont réveillés, ils sont pas là en fait. Théo, Madi, Alexandre. Mais 6 ouais, 2 par véhicule. 69. Allez, on prend encore, Attends, bouge pas. Clé du quatrième. Je prends des photos après. C'est la bonne ça quoi. Ouais, j'ai déjà commencé à livrer la bonne hier et enfin. Ah non, c'est pas Vincent le. C'est ça qui tu livres. C'est. Ah, c'est lui, ok. Putain, il est vraiment. Bon, bon. 300. Encore là, c'est pas une grosse commande. C'est pas une grosse commande hein, qu'on a fait. Hein. Ah, ça passe. C'est parce que c'est la première, c'est pour ça. En fait, y'a vraiment que Léo Gradé qu'on fait des commandes. C'est grosse. Ouais, ouais, mais là, désolé pour le temps parce que c'était pas prévu. Hein. Je viens de vous croiser comme ça, je viens de me réveiller. Alors, non, après, bah... ça sera mieux organisé là, c'est un peu long. Oh, ça aurait été fait ce soir. Hein, mais... Ouais, ouais, j'avais prévu de le faire tout à l'heure là. Mais, je vais vous réveiller, je vous croise. On a pas mal fait tourner Vegas après, donc vu qu'on se baladait là tranquillement, bah, on avait fait te croiser comme ça au moins on fait ça. Ouais, c'est fait. Bah du coup là je te mets en arrêt, tu vas avoir beaucoup de chargeurs donc Ouais vas-y. Nous là-bas on doit faire tout le tri après. Et on est quel jour déjà? On est jeudi? Du coup là je t'ai mis... Attends. 30, 60... On a pas attendu longtemps, on a même pas attendu une semaine, on a attendu 3 jours. Ah oui. J'avais prévu un petit délai, je pensais mercredi, bon du coup c'est jeudi donc ça va. Encore un jour la commande, la commande on l'a envoyé lundi je crois non? Parle, ouais, ou dimanche. Ouais, mais peut-être lundi. Je t'ai mis à peu près 100 chargeurs là, je t'ai mis tout ce que je pouvais en M4A1, mais il m'en reste encore à l'usine d'armement. Donc si t'en as besoin, tu me demandes, je t'en relis. Hein. Ok. Mais là, t'as tous les chargeurs qu'il faut, par an ou pas? Là, t'as 3 chargeurs différents, mais ils vont les 3 sur la M4A1. Hein. Ok, ça marche. Maintenant je te fais alors, les M4 c'est fait, il faut quoi? Alors PDW, HK et MP5, ok, allez go. Attends, je vais regarder la gueule de la HK. Des bons clients, vous voulez des balles traçantes jaunes, vertes ou rouges, il me semble. C'est au choix. Pour la PDW. Hein. Ah, pour la PDW. Attends, c'est qui nous a demandé ça? C'est. Au pire, on joue un peu tous. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Imagine alors. Hein. Collègue qui a demandé une PDW 2000, Jacques. Qui? Mon collègue de ton cabinet. Ah, Jean Le Réseau, ouais. Ouais. C'est lui qui a commandé ça. Mmh. D'ailleurs, monsieur O'Neill, on se revoit dans la soirée. C'est avec vous que j'ai rendez-vous à 20h30.
Il est 20h30. Ouais. D'être là cette fois, cette fois j'ai eu un truc qui était pas prévu à cette heure-là. Bah, c'est les choses qui arrivent. Nous aussi on a eu un truc qui a pas été prévu à cette heure-là, Ryan. Ah bah t'étais pas là. Non. Hier? Ouais. Ouais, j'ai vu sur la news de ta GoPro. Ouais. À la base on devait juste se balader. Pourquoi c'était le NH90 camo? Affirmatif. Parce que j'ai vu ça qui est passé au-dessus de ma gueule à Rodopoli, je me suis posé des questions. Pas ça, croisé notre chargeur patrouillé vers le QG. Non. T'as entendu un véhicule, c'est tout. Ouais, je sais pas si c'était un véhicule. Quoi? Parce qu'elle est passée devant là. Donc voilà, il manque. Avancer tout doucement quand on a vu les trois véhicules. Parce que c'est de la quoi? C'est de la Stenag. Oh putain, c'est encore de la. Ils sont. Attendez, combien sur place? Attends, je vais vérifier si j'en ai. C'est parti, 7. On est 7. Ça fait. De par véhicule. Ouais. Donc, par contre, moi je conduis pas avec la magie noire que j'ai. Trop dangereux. C'est qui va conduire le troisième? Moi. Avec lui. Je monte avec lui. Bah non, tu conduis toi. Tu mets pas Vito dans le véhicule. Ah oui. Vito il va gérer sa patte. Oui. Pas Vito. Tu monteras avec moi et puis. Ouais, t'as qu'à monter avec moi, puis tu prendras Polonais et puis voilà. Ah, je monte avec toi, Ryan alors. Hein? Je monte avec toi, Ryan alors. Bah, firme. On va faire 3 patrouilles, là, toi, t'en as pas choisi. Si y'a que la tenue qui te gêne, tu vas m'en chercher une. Oh! C'est du 6843. Oh, juste une tenue? Tu viens avec moi et tu conduis. Je conduis. Vito, viens! Non, tu conduiras le 3ème au pire. Combien de 6? Ah, bah, je conduis le 3ème. Viens prendre une distance, les gars. Je vais faire ça. Tu prends une patrouille. Il y a quand même 6 millions là. Bah, tu prends Gustavo avec toi. Ouais. Tu vas conduire un troisième véhicule. Ça marche. Prends celui-là. Je te laisse faire la carte. Y'a rien pour l'instant. Là, y'a rien dedans. Allez, je me mets de côté et je prépare sur la carte. Avec nous deux, Jacques, c'est bon. De quoi? Là, j'ai supprimé Gustavo qui est avec vous. Ryan, Jack. Ok, c'est bon. T'es au là, quand, bravo, ouais. C'est lui qui crée sa patrouille au-dessus du DP20 au pire, juste au-dessus. Ah voilà, bah c'est bon. Bon, c'est bon. Mais du coup, c'est pas bravo. Et Charlie va être préparé, donc ça va être Delta. Ah mais là c'est Théolan il est pas là. Ouais voilà, c'est ouais. Ceux qui sont sur place là-bas. Ça vient ou pas lui? Attends, je mets en point, Charlie. Non. Je vais le suivre moi, puisque je vois pas les autres points en fait. Attends, je te le mets et tu mettras la suite. Ouais. Pas plutôt, tiens... Ouais, tu le mets, Ryan? Ah ouais, firme. Et puis il met la suite. Ouais. Alors le logo avec la voiture. Où il va avec qui le random? Glito, Gustavo pour moi, je crois. 3, rally up. Tiens, Ryan, kick le canard là, Joe le canard. A parler? Non, reste en haut. C'est vrai, pourquoi y'a des gens qui sont comme ça dans le groupe? Ah voilà. Des random. Alors, normalement. Moi je te l'ai créé. Ah, c'est bon. Moi, je normalement c'est bon, messieurs. Ouais, ouais. Juste pour M4, je vous mets pas beaucoup de chargeurs si j'ai plus que ça. Attendez, j'ai dit combien j'en ai mis. 18, j'en ai mis une trentaine. Ouais, même une quarantaine. Donc une quarantaine de chargeurs, donc ça sera pas suffisant. Je vous en repasse une cinquantaine, voire une centaine d'ici demain. Okay. De toute façon, attends, c'est quel, c'est quoi bon, c'est fait. Pour les M4 aussi. Oui, on a plein de chargeurs chez nous aussi. Ouais, mais bon, c'est gratuit donc. Mais oui, c'est dans la commande.
c'est dans la commande donc. Ah non, mais c'est normal, il y a plein de chargeurs différents. Il y a deux chargeurs différents pour les M4A1, c'est ce qui m'a dit. La même 3 à 3, ouais. C'est les 3 premiers, c'est ça ? Tous les M4262. Ouais, ouais, vas-y, je prends direct. Donc voilà, après, ouais, il y a plusieurs catégories. Y'a quoi dans celui-là du coup ? Donc celui-là, bah non, du coup, j'ai pas assez de chargeurs donc non, c'est bon. Mais c'est pas grave, non, non, c'est pas grave, ce sera utile. On va le garder pour Vegas. Ce sera le véhicule de tête, il va dégager tout ce qui, est, ce qui peut être dangereux devant. Il y aura les deux plus chargés qui suivront. Ah, tu vas en tête alors. Comme ça, si, c'est comme ça, si t'as le moindre pépin, va en tête, bien, alors. Okay. C'est qui va en tête ? Oh le bordel. William. Oh, ben, on va en tête. Hein. Il est avec qui ? William. Donc, messieurs, moi, je vais pas retourner sur Vegas avec vous. Ça marche, on va aller en fait, j'ai toutes les commandes à livrer. La transaction, je pense qu'on va la faire au. La mairie. À la mairie. De toute façon, je monte avec vous, après vous me laissez là où vous voulez, ça me dérange. Cool. Parce que, ouais, j'ai toutes les commandes à livrer, du coup. Avant, on a de la place. Parti. Ouais, du coup, ouais, bah, je vous repasse les chargeurs demain. Je monte avec toi là. Ouais, bah, à ce moment-là. Je vais ramener directement à Vegas, on est sur ouais, Vegas. Ouais, je ramène direct. T'auras peut-être l'équivalent d'une voiture. La voiture. On aura, je pense, il y a une petite centaine de chargeurs à voler, moi. Ok, on aura la. Bon, messieurs. Produis celui-là. Prends celui-là, Ryan. Ryan. Ryan, non. Monte avec moi comme ça, c'est moi qui l'ai fait. En tout cas, sympa ces véhicules. J'aime beaucoup. Celui-là. On va mettre ton cul. Laquelle ? Le random. Bah Vegas là. Ouais. Mais attends parce qu'on va faire d'abord la transaction je crois. Donner l'argent. Tu vas le mettre au mur. Alpha véhicule de tête. Je ferme le convoi pour ma part. Moi j'ai les armes et les chargeurs. Ouais de grosses distances hein, les gars, pire que quand vous êtes en tempête. Là y'a 6 millions là quand même. Ouais ça commence à faire hein. Y'a un quad juste avant la mairie. Il est passé par là pour aller à la mairie. En tout cas, désolé pour le temps, je sais pas combien de temps on a mis, mais. Oh, bah y'a pas de soucis, hein, c'est normal. Ah, ça s'est fait sur un coup de tête, là. Vous avez vu, j'ai dit allez, livraison. On est juste là. J'ai de la voiture. Putain. Laissez-moi rentrer. Mais rentre avec ta voiture, toi. Ah, ça me donne envie de rentrer dans la sécurité ce véhicule. T'as un Cadillac ce. Chevrolet. Ah, Chevrolet. Ah, je pensais que c'était un Cadillac. Urban Chevrolet, je crois. Donc, on a dit. 6 millions 40 000. Et j'ai entendu mon collègue qui m'a demandé si on avait des stocks d'armes civiles ce week-end. Normalement, on en a un. Je sais pas si c'est vous qui avez posé cette question. Ouais, si, ouais. On fera une commande ici, là, si on a qu'ils en veulent. Alors attends, j'ai donné par le nom, je vais pas me faire pas cibler parce que c'est quand même une grosse somme. On va éviter, ouais. Je vais prendre un screen en même temps aussi quand je te les donne. Là. Alors, le nom, mon général, c'est déjà connu là. Alors 6 millions 40 000. Allez. Allez, je te remercie. Je vais rentrer ça. Salut Fraser, comment tu vas? La forme? Voilà. Oula, t'as pas. Bon. Ouais, c'est normal, bateau aussi. Ah, bah, ouais, ok, les c'est ventes, bon. Rally up. Si demain elles sont chiantes, c'est chiant, ça les gens qui rentrent comme ça dans le groupe. Ah, ouais, ça m'a atteint derrière mon groupe. Ah, bah j'ai plus de groupe, ah, bah, c'est génial. Bon, bah y'a un souci au niveau des équipes, les gars. C'est la Hammond Family, on s'appelle, je suis même plus le leader.
En tout cas, je te remercie pour cette jolie commande, hein. C'est... Ouais. C'est gentil de votre part, et puis bah, y a... à la prochaine commande, hein. De toute façon, je suis toujours dispo. À tous, puis le message sur voilà, ma message quand. T'as retrouvé tes habits. Merci. Et du coup, bah, tu passes demain pour le reste des chargeurs, du coup. Je retrouve tout ça, donc il y a JP qui est de retour. On va revérifier, je crois qu'il manque. Donc M4 à 6, c'est sûr, même. Bah, qui court jusqu'à la mairie. M4 à 6, M4 à la radio, hein. M4 à 6, M4 à 1, du coup. Pas buté pour JP. Bah, tu me ramènes demain. Tout ça alors. Ouais, je vais ramener une petite centaine, comme ça vous serez tranquille. Je vais marquer ça alors. Je leur ai un message privé en fait. Le gars Castro est parti manger. Négatif, il m'a dit qu'il. Ou même peut-être dans la soirée, je vais vous ramener tout dépend. Et là, bah, je suis pas là. Ah, on va demain, on fera ça demain. C'est moi qui va gérer ça. Le stop pour ceux qui sont pas là. Ça fait qu'on passe aussi pour la livraison de monsieur. Ouais, ça marche. Et voilà. Tu m'as dit, c'est quoi les munitions du coup? Alors. Il manque M4 à 6 et M4 à 4. Bonsoir Delk, comment que c'est? Et les HK416 prennent les mêmes chargeurs que les M4. Tranquille et toi, ouais, bon, du moi coup, ça va. Beaucoup de MK200 encore. Ça va, ça va. Ça va, très bien. Voilà. Comme ça vous serez tranquille. Ça marche. Bah écoute, à demain du coup pour aller allez, pour ouais, le reste des munitions. À demain, pas de soucis, puis je vous remercie pour tout ça. Ah, pas de problème. Allez, on est parti, bonne route. Hein. On est parti. Mais c'est ça, c'est chiant le truc des gangs là, putain. Affirme. Alpha, je pars déjà en avance. Ouais, oh, ça fait mal au compte bancaire. Mais non. Millions, ça fait mal pour quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent. Vous voyez la magie noire? De quoi? Attends. Entendre quoi? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Okay. Ah, parce que j'ai eu un putain de magie noire là. Je m'entendais en mode voix robot. Le deuxième, tu fais de la magie noire? Ouais, l'enfer. Non, mais c'est Lille, c'est Lille, j'ai pareil. Attention, attention. Affirme. Un peu de destruction massive en fait. Je reste en vue arrière, hein, Ryan. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, on a 20 km à faire. Ouais, ouais. Notre arme. De toute façon, les gars, on a tout notre temps. On respecte les écarts entre les véhicules et on roule à 130 tranquille, ok? Demain soir, j'ai eu avec les OPJ pour parler des plaintes en cours. Je vais leur glisser un mot sur ta demande. Sinon, je pense que la distribution d'armes pour être tranquille. Delk, si tu te souviens, quand t'étais. Je passe ça vers le garage, là, sur le côté, là. Quand tu t'occupais de la justice, justement, on avait eu le même problème. Tu ça, me conseillais. Si on fait ça dans l'arrière-cour, et puis ceux qui n'ont pas commandé d'armes, bah, ils restent devant, là, tant qu'on fasse ça. Quoi. Ouais, pas de soucis. Tu m'avais conseillé de voir avec les OPJ, et à l'époque, tu leur avais même passé un savon à certains. Je pense même sortir un bébé pour bloquer la barrière, tu vois, le temps qu'on fasse tout ça. On va être tranquille. Là, et ça marchait bien, en fait, j'allais tout le temps sur les plaintes RP, je regardais les affaires, les dossiers. Ils sont pas à 130, là, ils sont tracés, là, je les vois même plus, là, le deuxième. Et ça permettait d'anticiper le... C'est celui du milieu qui a masse de stock. Oh, putain. Le rôle milieu, c'est où il y a toutes les armes. Bah, je suis là où j'ai tous les... le restant des armes et puis tous les chargeurs. Ouais. Ça permettait d'anticiper... Ça klaxonne, ça doit être Jimmy Elite. Les affaires de justice, quoi. C'est rapide hein, les commandes. Hein. Commandez ça lundi. Affirme. Arrivé aujourd'hui, c'est rapide. Hein. Ah, du coup, moi j'ai du matos. Hein. Oh. 4M4 à 1, beurre militaire et l'autre là. 4M4 à 6 de chaque aussi. Putain. Rien que sur les 6 millions, rien que sur les 6 millions, ma commande. Ça fait 2 millions à toi tout seul. Ah ouais, mais là on peut pas aller le récupérer là, trop tard, on est parti en convoi. Tu peux répondre, prends une voiture au garage et rejoins-nous au convoi.
Mais en message privé. Alors on s'occupe de répondre à JP en message privé, monsieur. Ouais, je suis en train déjà, mais je suis en train d'arriver à Cavalin, quoi. Il m'a envoyé un message à moi, donc je lui dis comme quoi il fallait qu'il me prenne un véhicule puis qu'il me rejoigne sur le compte. Merci. Jack s'occupe de répondre. Ralentissez des P11. Merci. La chance, il commence à faire jour, c'est déjà une bonne étape. On a même pas fait la moitié de la route encore. 4 km on aura fait la moitié. Vers l'aéroport. Il y a la fumée devant elle. C'est bon, elle a disparu. Un véhicule arrêté sur le côté. Un pick-up, attention les gars, il y a des balises sur la route. Prenez bien large dans la compa. Oui, d'accord. Ah là, j'ai bien pris large. En tout cas, Delphes, ça prend une sacrée tournure hein, sur l'île. Hein. Les gars, on va pas passer par Thanos, etc. On va passer par. Par. Par Sharkia, monsieur. Reçu. Faites attention au véhicule dangereux. Infirme-moi, reçu. Donc, bravo, tu me colles au cul. Ryan, c'est le même chemin que j'ai pris tout à l'heure. Reçu. Là, au niveau de la distance, on est tranquille pour les Magies Noires. Bah, il vaut mieux de toute façon. Ouais, là, il y a quasiment 200 mètres entre chaque véhicule. T'as croisé un indicatif et ton attire. Place. T'as pas là. Convoi sur Delta. Est-ce que vous avez un hélico sous la main là? Négatif. Ok, reçu. Il y a Nexus à arrêter sur Pandora. On a Alex, du coup, vous pouvez en confirmer. Bah, à ce moment là, rejoignez-nous. On va passer par Sharkia. Ouais, non, négatif, ça sert à rien. Regarde bien si elle nous suit, parce que j'ai l'impression qu'elle a fait demi-temps. Ouais, j'observe derrière. Au moment, il n'y a rien derrière nous. C'était à gauche. Bon, je ne vais pas rester plus longtemps. Je suis monté à côté de la station là. Toutes les 10 secondes. Je ne sais même pas si tu as répondu à ma dernière phrase, ok. Ok, bah bonne soirée à toi Delk, à la prochaine. Une
beau un petit convoi comme ça. Ouais, et puis ça le fait. C'est arrêté quoi? C'est un Suburban de devant et derrière et le Tempest au milieu avec tous ouais. les dedans. Ah, ça aurait fait un convoi vraiment protection. Ça aurait tenu dans un Tempest? Ah ouais, ouais, il y a de la place dans un Tempest. Là, on a tout mis dans deux voitures. Hein. Mmh. La troisième, il y a rien dedans la troisième. Ouais, donc ça aurait tenu largement dans un Tempest. Ah, oui, oui. Ah même la mienne, je crois qu'elle est pas remplie. Ah si, ouais, si les deux sont remplis quand même. M'a fait peur. Ah ouais, ils ont de la magie noire devant, c'est abusé. Parce que c'est lui qui prend un coup là. Mais... De toute façon, j'ai pris des photos donc. On va pas terminer les crash parce que là. Les gars, pour les accords, on va croiser un Vic. Monsieur. Oh là, qu'est-ce que c'est qui? C'est une équipe à vous. Oui, c'est nous. Ok. Bon, faut, c'est la deuxième et la troisième voiture où il y a de l'équipement dedans, Alexandre. Ah, bah, du coup, il ferme le convoi. Vous fermez le convoi, ça c'est parfait. Par contre, on a personne à Vegas, quoi. C'est pas bon non plus. Ouais. Soit face, c'est que si le ban vide, ils se garront dans comme d'habitude au niveau des outils et où il y a le matériel, on se posera juste derrière la terrasse. C'est pas faux, Fraser. Pour c'est vrai. Les paiements et puis les fois, quand t'as trop de drop, tu baisses la qualité. Ouais, et... tu mets justement un tel en ligne. Ouais, c'est trop risqué. On s'en chasse dans un voiture. Ouais, si t'as du monde qui arrive à la barrière. Alors sinon, je sors un bébé, je peux planter. De toute façon, ceux qui n'ont pas d'armes, ils pourront rester en protection quand on fait ça. Regarde, les bateaux arrivent à la maison, 2 km 3. En ce moment, mon PC il souffre, putain, la perte de FPS que j'ai. J'ai récupéré ma bande passante, mais j'ai perdu en qualité sur mon PC. Alpha arrive. Charlie aussi. Fais attention. Il y a le top là-bas, derrière. Ils sont. Voilà, mais le toit derrière, c'est bon, mais t'es derrière. Vas-y, je t'ai peut-être là. Ah, je vais l'avancer un peu histoire que ça c'est là que je vais tenir. Un respect soldat, repos à vous deux. Ça va bien, Maddy et Théo? Ouais, ça va. Oh, ça va et toi, écoute. Ça va, ça va. Tu vas en surprise aujourd'hui? Bah, si y a des intérimaires. Non, bah ce soir j'ai un rendez-vous 20h30. Oh, ok. T'as dit quoi, Théo, par contre? Hein? Je vais te mettre sur ce muret et puis moi je vais me mettre sur l'autre. Ouais, peut-être ça.
porte là lui. Des nouvelles de JP? Respect soldat. Respect soldat. Respect soldat. Respect soldat. Oh loulou. Attends. On s'est déjà vu. On s'est déjà vu. Nous, je sais pas. Respect. Respect. Aspect soldat. Aspect soldat. Ça allait bien sinon. Wow. Et vous? Ah. Je te vois pas, je parle dans l'ensemble. Ah, ah, quoi. Pas de soucis. Ça fait du même grade, hein. Oh, c'est vrai. Ça, même tes habitants ou quoi, tu les vois pas. Mince. Ça dépend. Par exemple, vas-y, Gustavo, il a pris ta place. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Tu m'expliques, Gustavo. Comment tu peux monter plus vite que moi? Non, sérieusement. Ah bon? Ah mais comment tu fais? Hein? J'entends rien. Je suis un dieu. Ah tu es un dieu. Négative. Non, c'est vrai, comment t'as fait? Eh, je suis monté en fait. Mais comment t'es monté? Bah par là où tu montes aussi. À l'échelle? Bah oui. Monter rapidement. Pourquoi t'es monté? De quoi? Pourquoi t'es monté? Quoi, parce qu'il y avait personne? Bah, si, avec moi. Négatif. Aspirant. Respect, un soldat. Appel, 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 appel. On va aller voir les autres. J'avais de la bouffe là-dedans. Jean Loiseau. Moi, je reforme mon équipement entièrement. Jean Loiseau, il est pas là. Qui manquera? Jean Loiseau. Mais aspect capitaine. Repos, adjudant. Ouais, pas tard d'arriver. Bon, bah nous, on va vider ce qu'on a vidé dans nos maisons là. Attends, les chargeurs déjà. Eh, il arnaque là. Le chargeur c'est sûr. Ah bah attends, faut que je... Déjà, attends, tout ça faut que je stocke chez moi du coup pour l'instant. Ah bah oui. Tu sais quoi, attends, il y a combien? Ah tout ça c'est à moi, tout ça faut que je stocke chez moi. Ok, mais déjà attends, les chargeurs de 60 balles on les divise en 3 au pire. Attends déjà, c'est que je vais foutre tous les armes dans le même. Il y en a combien par arme de base? Elle nous avait donné 10 mais En fait, on prend 10 chargeurs chacun de 60 balles. On prend 10 chargeurs chacun de chaque chargeur en fait. De toute façon il va nous en livrer encore 100 demain. Ouais, mais au pire on en prend 10 déjà chacun.
De toute façon, il y a que nous qui avons des. Ah oui, bah voilà, oui, c'est pour ça. Ah, mais il y en a pas. Attends. Il y avait que nous qui avions 4. Ah, mais il y en a, t'as pas 10 piles, hein. t'en as que 27. 27, 34, ouais, mais 27, 31. C'est ce qu'on a d'habitude. Ça, c'est. Ah non. J'arrive, les gars. Ouais, bah si, on prend 10 chacun. De toute façon, on reçoit le reste demain. Ah, attends, moi, est-ce que j'ai mes armes? Attends, les deux. J'ai une M4 Black, c'est à qui ça? M4 MOE Black? Ouais. Et je peux ouvrir la culture, dit, elle était en trop. Ah, il nous a offert une arme alors? Ah non, mais moi je l'avais dit, hein, comme quand il y avait une. Moi je veux les cadeaux. MOE Black. Non, mais on l'a pas eu en cadeau celle-là. Il l'a rajouté, il me l'a rajouté sur la note alors. Pas rien. Combien de chargeurs de 60 rounds? 10? 10 chacun. Eh bah. Alex, attends, je reviens quand même. Ah merde, pas ça! Ça est-ce que tu veux acheter une MEO Black en plus? Ah, hein? Black, non, ça m'intéresse pas trop le Black. Elle est à 215 000. Non, ça aurait été une TAN encore, oui, mais là, c'est comme c'est une Black, non. Pourquoi il y a deux HK là? Parce que t'as William Serin et JP. Ah, William Serin, JP, Jean Loiseau et tout le reste à moi. Attends, je suis à 7, ah, je reviens, faut que je dépose encore des choses. Ah, tu peux les déposer dans ma maison déjà. Yes, ça m'enferme. T'as les clés, hein? Ah, ça, j'ai vidé chez moi, je prends des photos. Je prends les chargeurs après. Pourquoi je peux prendre déjà les chargeurs? Moi, je suis con. Et 8, 9, 10. Là j'en ai 10. 10, 10, 10, 10. Ah, 2. Ok. Oh. Il y a des chargeurs. On est manqué. Ah, ouais. Carton. Eh, merde. Vous les avez testé les armes avant de les acheter ou pas? On bat les couilles. Ça tirait droit. On s'en fout. Tu t'en fous? M4A6 c'est la même, hein, c'est juste la couleur qui change. Ouais, non, mais pour les MacBook. Ah, il les sortir. Et les. C'est bon, ça tire droit, Foxer? Je sais pas, j'arrive pas à casser la vie. Ah, mais celle-là, tu peux pas les casser, celle-là, hein. Essaye pas. Ah, ok. Les maisons non plus, ce bâtiment-là non plus. Ouais, c'est pour droit. Moi, tous les. Ouais, les ça tire 6... droit, j'ai vu. Les chargeurs des 8, tout ça, c'est à moi, hein. Ah, tout le reste, normalement, on a pris 6 chargeurs chacun. Moi, j'en ai 10. 6-8, ouais, moi, j'aurais pas pris. Pour en acheter, ça, non? Non, mais c'est ça, c'est. Les 6-8, c'est mes chargeurs de M4A6. De toute façon, pour en acheter. Bon, maintenant il me faut un plus lourd pour passer chez moi, que j'aille me vider un peu. Salut Seb, la forme, et toi, ouais, comment tu vas? Je vais prendre ma patrouille rapidement. Non, j'espère que j'aurai de la place dans mes coffres. Ah. Monsieur, enfin Ryan. Ouais. Je vais prendre ma fin de service. Ouais, bah tiens, laisse l'équipement chez Foster. Moi? Ouais, parce que faut que je vide tous mes trucs, moi. J'ai un paquet à vider. Ou alors chez un adjudant au pire des cas. Je sais pas. Vous voulez. Le mieux, ouais, serait laissé chez JP vu qu'il est souvent, ouais, là. Ah ouais. À ce moment-là, viens avec moi dans mon véhicule, je vais te déposer chez moi. Voilà. Mon lapin, tu peux prendre le deuxième véhicule là, parce que je peux pas tout mettre dans le premier. On va à ma maison, je vais tout vider ça. Comment qu'il y parle joli. Hein, mon lapin. En même temps, il a intérêt. Bah, il vaut mieux, hein! C'est quand même qu'on prend le chargeur. On va vous laisser filer là en train de faire le tri. Eh, l'avion qui vient de passer au ras de Vegas là! Ouais, ça va vous laisser quand même ta nouvelle arme. Et t'as tes chargeurs? Je donne pas des idées, putain! Ah, il va les donner. Ok. Putain, il est fou celui-là! J'en ai marre d'avoir sac de merde, là, il est dégueulasse! Bah, demande à t'en faire prêter un ou donner! Non, mais. C'est... Enfin, en fait, c'est chiant parce que c'est. Je crois qu'il a pas compris, hein! Demande à Foxstar! Ah, non, ça, mais parce qu'en fait, tu sais, pour les ventes et tout ça, c'est plus pratique! Si, il a compris la montée! Bah, après, le chien et le petit comme ça, avec Emile Jacques, c'est pareil presque! Y'a pas grand, je crois qu'il y a même pas de 10 places de G1. Jacques, t'as combien de places dans ton sac? L'avion qui passe au-dessus de Vegas, merci de t'identifier s'il te plaît.
Attends là, on a autre chose à parler que de. Il est où, je le vois plus. Il est là. Parti. Ça tombe bien de mettre des nos armes. Qu'est-ce que j'ai gardé de compte là. Un sac vigile, ça a 59 places. Ok, ouais, j'en ai 64. Ouais, je t'ai dit, y'a pas 100. Ouais, ça va. Ça veut dire que t'as même pas deux unités différentes. Bloot. Ouais. Yop yop, Bloot. J'en prendrai, mais tu peux, on peut l'acheter au shop normal, ça non? Non, parce qu'il n'a pas de cette couleur. De quoi? Sac. Les beiges de Lucie. Il repasse encore là? Passe à côté. C'est pas possible, tu sais, le gars il se prend des tirs, il s'en bat les couilles. Ah, mais. Pas vu que. En plus, qu'est-ce qu'il fait, genre, monsieur. L'avion qui s'amuse à survoler Vegas. Alors déjà premièrement je survole le lac de sel Vegas, je ne suis pas au-dessus de vous donc vous allez vous calmer. Ouais. Tu vas passer d'un temps, t'es passé à Vegas à 50 mètres d'altitude donc tu vas passer d'un temps, autrement tu repasses. 30 mètres d'altitude s'il te plaît. Ouais bah c'est bien, bah tu repasses encore. Tu veux un sucre? Non mais à 10 je veux bien un sucre, voire même à 5 je veux bien un sucre pour 5. La prochaine fois que tu repasses par dessus, ce sera pas une sommation, ce sera sur ton avion. Ça roule ma poule. Mais il veut se prendre des balles lui. Dès que là, il repasse en plus, je l'allume sa mère. Je l'allume sa mère. On l'allume ou pas? Attendez. Attends mais il pointe là. Il va faire un retour ce bâtard. S'il revient. En général c'est un très bon serveur oui. Reviens s'il te plaît. Mais gros c'est qui le gars, il se rend pour qui tu sais? JP? T'entends pas hein. Mais depuis tout à l'heure t'as un problème de voix, t'entends pas. JP et GJ pour le team. Il passe au-dessus là. Allez où? Il est quand même passe au-dessus. C'est une raison ça non? Il fume en plus, la FDP ils l'ont touché non? Là JP. Enfin c'est une balle à main c'était là. Ça bat les couilles. Ah c'est bon il a entendu. C'est bizarre qu'on entend pas. Mais tout à l'heure aussi ça. Il va repasser au-dessus de nous. Regarde, regarde, on a le chargeur. Je l'allume? Non, pour le moment, Soma. Bah, il a dit la prochaine fois c'est des. C'est sur toi que ça. Oh les gars. Ciao. À bientôt. Je. Non, pour dire au revoir, on dit pas mes respects, si, non. Ah, si, repasse, essaye de envoyer un message à la gendarmerie s'ils ont une patrouille pas très loin là. On s'appelle, en service. Bah, j'ai refait juste un tir de Soma là quand il est passé au-dessus. D'accord. Je le mets pas sur le carré parce que on s'est fait hacker. T'inquiète pas. Bah après ça change pas grand chose qu'ils sachent que tu prennes ta fin de service ou pas. Ça a pas besoin de faire de respect comme tu parles. Dis juste salut les PD. Tu vois Will, bientôt mon petit doigt me dit que quand je dirai à un avion tu quittes l'espace aérien, il aura pas le choix. Et quand il dira en quel honneur. Eh ben si tu veux pas quitter, je t'abats. Après. Après. C'est parce que j'ai pas de titan, sinon j'aurais dû enculer. Bah oui, je m'en doute bien. Moi vu qu'il fumait, je pensais qu'il allait tenter de se poser sur Vegas. La grosse surprise pour lui, c'est quand on lui aurait annoncé que c'est un aéroport privé. Mais c'est dommage, il n'est pas venu chercher son sucre. Ah ouais, ouais. J'aurais bien voulu, moi. Ouais, là, on aurait pu lui foutre une jolie petite cannelle à celui-là. On aurait mis une grande claque gouvernementale dans sa petite gueule, ça aurait réglé le souci. Oh, ouais. Mais bon, t'as plus de gueule sur la 30 qu'autre chose, hein. Quoi? Quoi? Moi je dis que ça balance. Plus de gueule sur la 30 qu'autre chose. Ah ouais, qu'il aurait été en face.
En plus, hein, vu tes fonctions, t'aurais pu faire jugement d'office. Comme je t'ai dit, hein, grande claque gouvernementale dans la gueule, t'inquiète, ça résout quelques problèmes. Comparution immédiate. Comparution immédiate au bûcher. Allez hop, hérétique. J'ai vu la prière juste avant. Ah, c'est dommage que ça s'est pas sorti quand on me menaçait avec mon poisson-chat. Ça m'aurait bien arrangé, ça. Parce que le comble du comble, j'avais finalement réussi à obtenir les noms. Il les a transmis, ça, au gouvernement? Non, non, puisque là, ils ont quitté l'île. Ah, d'accord. Allez, je vais reposer ça. Je pense qu'il a pris sa leçon. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gars en avion? Il est passé ah, en rase. En avion. Même, on a... Même moi, j'ai fait un petit tir de sommation. Oh, mais j'étais chez moi quand il passe, c'est con ça. J'ai pas réussi à faire un incendie de tir sur mon tir de sommation. Ah merde! C'est con, hein? Ah, mais arriver à OS, un pilote dans un avion, c'est plus compliqué qu'un avion. Ouais, ouais, il faut vraiment avoir du bol. Hein. C'est plus un moule shot qu'autre chose. C'est important d'avoir de la moule. Hey, mais sur ce coup-là, c'était vraiment plus une grosse moule. Hein. Elle est magnifique celle-là. Il court, court le général. Putain, c'est celle-là que je vais prendre moi tout le temps. Je pense que c'est une 4A600 en vert. Ouais. Au camion vert, ouais, elle est belle. Hein. Allez, moi j'ai chargeur de HK pour Papito. Non, mais c'est normal, je suis en train de faire le tri. Hein. Ah, ok. Sexy, là. Bon, messieurs. Alors, qu'est-ce que t'en penses des Suburban? Les Suburban? Ouais. Ils sautent bien sur les pentes, j'adore. Non, mais niveau conduite, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est sympa, y'a pire. Bah, ils se conduisent bien, je trouve. Ouais, ça va. Comme je dis, y'a pire. Quand on arrive à avoir une livraison de Suburban, parce que nous, ça fait 2 mois qu'on les demande et qu'on les attend toujours, les nôtres. On arrive à les avoir. C'est la fête. Ça donne des belles courses poursuites. Moi je m'appelle les courses poursuites en BTR. On a pris quelques-uns. Oui, mais on nous les a enlevés les BTR. Ah c'est bête ça. Ils étaient bien. Eh ben, écoute, on vous les a enlevés. On peut pas. Bah écoute, après la bataille de Pyrgos, un peu après, les BTR ont été enlevés. Puis ah bon on a les véhicules, on a les véhicules gauche, tu vois. C'est chouette, hein. Ils sont pétés. Mais ça tient pas la route, c'est. Ils sont cassés. Là aussi, c'est des véhicules qui sont pas faits pour. La RS4, elle repart tranquille, toi t'es HS. Ah bah le véhicule gauche, s'il te plaît. Je l'ai conduit, je sais, hein. Alors, quand une grosse dope, ce truc. Quand tu prends un Suburban qui est limité à 175 et un. Et un véhicule gouffre qui peut monter plus haut mais qui a de la grosse merde à conduire, je peux faire conduire un Suburban en montant que de me taper le véhicule gouffre. En plus, ça va, le Suburban il passe les petits rebords. Que demander de plus. Ah, bah c'est ça qui est cool avec. Il passe un peu partout avec. Nous sur les nôtres, on a les girons en plus. Les girons, moi, tu les sirènes. Avec le Suburban, je viens de ma maison qui est à Kaloshori en full off-road. C'est ça. Ah, du coup. Ça me toujours délirer les petites bosses que je me prends à chaque fois. Est-ce que je peux aller chez moi avec Gustavo pour déposer ma hog? Ouais, affirmatif. Allez-y, allez tous les deux. Merci. Crée ton équipe avec. Ouais, c'est bon, il est déjà dans mon escouade. C'est quoi ces tirs? Tu vas déposer l'arme? C'est Rockstar. Ouais, ouais, elle est reposée. Gustavo, tu descends, on va en maison pour déposer. Mais il pourrait prévenir quand il s'amuse à tirer, bordel. Avec la tension sur l'île là, bordel de merde. Si tu veux, je peux le fumer. Bah, pour le moment, il y a que toi qui as le pouvoir de le faire. Hein. Cet été qui passe sur la route, j'entends là. Merci, excellent d'avoir follow, bienvenue à toi. Petit civil là qui passe sur la route, qui prend une balle perdue. Ah bah merde. C'est con parce qu'il y en a qui passe sur la route justement. C'est con parce que c'est tout. Quel sac à merde. Putain, c'est que la merde, lui, ça se voit. Quand on voit sa démarche, c'est un sac à merde. Y'a un autre véhicule qui arrive. Ouais, je l'entends.
Une Dodge ou une R8. Je pense que c'est plus une R8. R8, ouais, c'est un peu une merde. Qu'est-ce que je suis trouvé? Charlie, on part de Vegas pour aller à Paros, à nos maisons terminales. Vegas, SU. Ah, t'as pas fait ta reçu, c'est pas le reçu que tu dis d'habitude. Par contre, les gars, petit conseil. Ah, t'as le petit accent sur le reçu. Ouais. Oui. Évitez d'utiliser les fréquences LP sur vos fréquences courtes. Les fréquences quoi? Pour vos fréquences courtes portées. Ouais. Pour les fréquences longues portées. Pour la bonne et simple raison que t'as plus de chances que ta radio soit compromise. Ah bon? Disons que je connais quelqu'un qui était dans un groupe pas très très légal. Et ils étaient tous équipés de longue portée. Et ils connaissent pas pourquoi à chaque fois ils se faisaient niquer leur fréquence. Et c'est parce qu'ils utilisaient leur radio courte portée sur leur longue portée. Ryan, y en a qui viennent pour le Hard Rock Café. Ouais, je vais tout finir, tu peux les faire entrer. Ça fait du bien d'être un brawler, de rien foutre ici. C'est... Ah. Ça te change de d'habitude? Non. Regarde, hop là. Ah, le bel exemple, capitaine. Oui, je sais, merci. Alors moi, ce que je dis aux soldats, c'est... Faudrait que je suggère au premier ministre. Au premier ministre. Rafale. Les gars, pourquoi est-ce... Il a déjà été prévenu plusieurs fois, non? Il a déjà été prévenu plusieurs fois, mais non, c'est pas le même. On me bat les couilles. Du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de te dire. Alors tu disais, au premier ministre. La papille oubliée. L'avion qui passe à côté de Vegas, merci de t'en suffire, s'il te plaît. Là, c'était pas moi. Tu disais. Mais je vais suggérer au premier ministre d'interdire la fainéantise. Bah merde! Un truc de malade, quoi. C'est pas que je suis fainéant, c'est que c'est mon travail de rien faire. Ce serait une bonne idée de suggérer une journée pour tous les citoyens de travaux généraux. Pour remplir les caisses de l'État. Lui, il nous cherche. Hein. Laissez-le perdre de l'attitude, on va lui mettre une rafale quand tu vas revenir. Attendez, je serai des CA. Si seulement je l'avais encore. Orca pour gendarmerie, demande autorisation de décoller depuis l'aéroport. Si seulement j'avais encore ma DCA. Pour Vegas, on part de il est où maintenant? J'arrive vers Vegas, t'as bien trop du cul d'avion. Il tourne autour. William, tu te rappelles quand j'avais ma DCA? Je me rappelle quand t'avais tellement de choses. Maintenant, tu sers plus à rien. Oh. Des fois que je peux plus rien faire comme ça. Je me rappelle, c'est. Tu te rappelles la fois avec Queen sur la chaise en bunker en français? Oui. C'est quoi, je vais aller l'attendre sur le toit, l'autre gros con. Ah. Attends-moi, garçon. Je crois que c'est bon, niveau rafale. Ah, j'espère qu'il a compris. Je crois que je vais aller demander des chargeurs en plus à Ryan, en fait. Ah, toi, tu perds tout d'un coup, toi. Il va repasser. Mais là-bas, un avion avec une arme comme ça, c'est pas facile. Ah. Mais qui repasse. Oui, toi, t'es toi. Il faut juste espérer qu'il y a la balle magique, quoi. La balle shot, comme derrière. Stop, ah, mais t'es pas grave comme ça, les gars. Ah putain, ça tue les oreilles. Elle est pas mal là-haut, gars.
Et ton truc, c'est fait pour le close combat, hein, pas le. Pour être longue distance. Hein. Jack, t'as encore des chargeurs de P90? Ouais, je crois. Attends, je vais te chercher ça. Allez, moi, je cherche 2-3. Ça l'amuse. Il serait peut-être temps de prévenir les gens, non? Ça sert à quoi? Jack, t'es où? Là, je suis là dans la cour. Derrière toi. Viens, reviens. On prend les filets 3. Merci. De rien. Ça fait comme le stand de tir à la maison. Quoi. Bah, sauf qu'il va pouvoir continuer longtemps comme ça, lui. C'est trop dur. Hein. On a un qui arrive à le toucher, ça. Tirez pas s'il est pas bas, les gars. Tirez que quand il arrive en ligne droite sur vous. Ouais, mais après tous les tirs de sommation qu'il s'est mangé, il devrait même plus survoler notre espace aérien. TR-011. T'as ta GoPro, Jack, au cas où? Affirmative, toujours. Parfait, pour une fois que t'es là. A plus Fox. A plus Fox. A plus Fox. Non, ça... Pour aller à la Blood,
Ok, les voitures sont vides, si vous pouvez les rapporter près des deux autres, s'il vous plaît. Ouais, ce serait une crachée, j'aurais été profané son corps, mon pote. Impossible. Il vole pas rapide. Bon, c'est les slime. Ah, mais là, il a fait exprès et il a arrêté le moteur et il repart. Et roule, fait du roulage à l'envers. Bon. Du volage. Fait du volage. Il est en volage là. Il a sorti son train. S'il se pose, je vais une équipe qui se prête à aller le choper. Hein. Il se pose, allez le choper. Ah, mais c'est craché. Bien joué, tu me fais prendre sa gueule. Ouais. Il est fort, lui, en vrai. Ah, bah là, comme ça, c'est bien. Très fort. Autorisation d'aller profaner son corps. Dépouillez-moi là, ce cadavre là, mais allez pas tous dessus, monsieur. Vas-y, on va avec Gustavo. Mais il y a pas le net pour Vegas, demande des décollages. On y va. Autorisation accordée, Paul. Le barrière, please. Paul Annette pour Vegas. Est-ce que quelqu'un m'en... Vegas à Paul. Demande de décollage. Autorisation accordée, bon vol. Reçu. Par contre, on en parle de l'avion qui tombe 3 ans après. Il vient tout juste de tomber là, l'avion. A plus pour ceux qui prennent la fin de service. A plus. A plus. Ryan, il y a de nouveau un intrus dans le... C'est quoi ? Il y a de nouveau un intrus dans le gang. Ah mais le gang, c'est pas le nôtre, regarde. Depuis une heure, c'est plus le nôtre. On est dans un autre gang, c'est complètement bugué en fait. Ah oui, reçu, j'avais pas vu. Merci.
Kitso. Pas sur la piste au déglingué. Je crois que c'est un de chez nous, non? Bah oui, c'est Will. Pas si tu déglingues ton PDG. Tu déglingues le ministre de la Justice. Très sympa de pique. Mais lui, il avait SM pas rentable, il a pas de prix. Je rigole. Je sens que Jack ça fait pas trop rigoler. Ouais, tu critiques un membre de gouvernement toi. Mais non, mais attention, je... il est ministre de la Justice, comparution immédiate, balle dans la tête, fini. Regarde-moi cette putain d'M4A6, comment elle est magnifique en vert. Ouais, mais ça c'est pas gentil de venir narguer et de nous donner envie. Hein. T'as la fin de service? Ouais. Pareil, je vais prendre la fin de service. Du coup, j'ai pas eu le temps de l'avoir là. On se retrouve sur la radio Sécu, William. C'est dommage qu'elle Ok. Tiens, je vais déjà prendre tes chargeurs. Non, c'est bon, garde. Ouais, c'est bon. Allez, à tout de suite. Je mets pas la fin de service sur la radio Sécu, ça sert à rien vu qu'elle est corrompue. Sur le gang, hein. Vu que c'est corrompu. Tu casses mon lapin ? Non, mais non, pas tout de suite, dans 20 minutes. Fin de service, les gars. Bon allez, moi je vous dis bon appétit, bonne soirée, à tout à l'heure pour certains, demain pour d'autres, bye bye tout le monde.